terminé du mois. Alors, j'ai fini cet adoucissant-là de chez Auchan. Si je retourne dessus, oui, pourquoi pas. Je l'ai vachement bien aimé. Pose-toi le chat. J'ai fini une lessive, je crois que c'était de chez Dose, à l'argan. Je l'ai bien aimé, ce que je rechuterai peut-être. On a fini un produit pour le sol, pour un savon de Marseille, pour le sol dégraissé, très bien. De chez Leclerc, est-ce qu'on rachètera? Oui, je pense. J'ai juste poussé le chat parce que fait des bêtises. Les chats, ils ont fini ces gourmandises-là. C'est pas leur préféré, ils préfèrent les maxiso, mais de temps en temps, celle-là. J'ai fini un masque pour cheveux que j'avais vu dans le calendrier spa. Je l'ai bien aimé. Est-ce que je rechuterai? Non, je pense pas. On a fini un gel antibactérien de chez Yves Rocher. Il est bien. Est-ce qu'on rachètera? Peut-être. J'ai fait du tri dans mon make-up. Je suis dégoûtée. Je les ai très peu utilisés. Je crois que j'ai utilisé qu'un rouge à lèvres sur une des deux, et ça sent très fort le pubon, donc je jette, tant pis. Donc on a fini des capsules d'eau de Javel de chez Lidl, on rachète comme toujours. Un produit vaisselle, ça c'était une édition limitée de chez Lidl. Est-ce qu'on rachètera si on retrouve cet été? Oui, pourquoi pas. J'avais eu ça par Héloïse dans mes cadeaux de Noël. C'est un shampoing. Je l'ai bien aimé. Il a bien dégraissé mes cheveux. J'ai bien aimé. Je sais pas où on le trouve, mais il était top. J'ai fini mon gel douche fa essentiel fleur de monoï, l'huile d'argan. J'ai bien aimé. Ce que je rachèterai, j'ai beaucoup de gel douche à finir avant. Mais si je revois, pourquoi pas racheter? Pose-toi le chat. On a fini un autre gel bactérien que j'avais eu par Nati dans un de mes colis. J'ai bien aimé, ce que je rachèterai. Je ne sais pas où on le trouve, mais il était plutôt bien. J'ai fini un gel intime Roger Cavaillès pour peau très sèche. Celui-là est très bien. Est-ce que je rachèterai lui ou le rose? Très bien. Oui, je rachèterai. J'ai fini aussi un autre gel antibactérien que j'avais eu aussi dans un colis de Nati, le biphase. Il est bien. Est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas? Je vais descendre le chat. Voilà. Alors, mon copain finit son petit dup au 4 quarts citron. Il a bien aimé ce qu'il rachètera, je pense. Il m'a pas dit de retour, donc je pense. J'ai fini le shampoing The Body Shop à la banane. Je l'ai adoré, ce que je rachèterai, pourquoi pas. Ça, je jette un rouge à lèvres. J'ai fait plein de tri de. Ça pue, je jette plein de rouge à lèvres. Ils ont changé de texture. Ça pue, donc je rachèterai pas. J'ai fini un gommage pour le corps que j'avais acheté à Noz. Je l'ai adoré. C'était aux fruits rouges. Si je la revois, oui, je rachèterai à Noz. Arrête le chat. Oh! Excusez-moi. On a fini un autre produit vaisselle. Fleur de cerisier, fleur de lotus de chez Lidl. On l'a bien aimé. Est-ce qu'on rachètera? Oui, je pense. Je jette encore un rouge à lèvres. J'ai fini un gel douche à la fraise, c'était le Playboy que j'avais trouvé à Action, je crois celui-ci. J'ai bien aimé. Ce que je rachèterai, bah, quand j'aurai plus du tout de gel douche en stock. Oui, mais pour l'instant j'ai trop de gel douche encore, donc non, je rachèterai pas. J'ai fini un petit shampoing d'Yves Rocher, l'anti-pollution. Je l'ai bien aimé. Ce que je rachèterai en grand format, pourquoi pas, j'ai bien aimé. On a fini un grand gel antibactérien de chez Action. Est-ce qu'on rachètera? Oui. Alors, ça c'est un autre rouge à lèvres que je jette. J'ai fini cette crème pour les mains de chez Action, je crois.
J'ai bien aimé ce que je rachèterai. J'ai plein de crèmes pour les mains en stock, donc pour l'instant, non. Alors, je jette encore un rouge à lèvres. J'ai fini deux paquets de Nana comme ça, bleus. Ceux-là, oui, je rachèterai. Ils ont changé de packaging, je crois. J'ai fait ce masque-là que j'avais eu par Passagère du Temps. Je l'ai adoré. Ce que je rachèterai, oui. Ça, c'était des sels de bain, si je ne me trompe pas, de chez Action que j'avais acheté. Top, ce que je rachèterai, pourquoi pas. Un autre paquet de gourmandises pour les chats, ceux-là, ils ont bien aimé. Mais c'est pas leur préféré, ils préfèrent Maxizo, comme j'avais dit. Là, c'était l'après shampoing. C'est pas mon préféré, mais c'était bien quand même. Est-ce que je rachèterai? Non. Ça, je le jette, il est périmé comme fond de teint, donc je préfère pas tester pour faire une réaction allergique. J'ai fait ce petit galet de bain de chez Nocibé. J'ai bien aimé ce que je rachèterai. Pourquoi pas? Alors, on a fini du carbonate de alimentaire. Très bien pour nettoyer les dents, quelques trucs ou dans l'alimentation. Très bien. Ce qu'on rachètera, oui, je pense. J'ai fait ce masque-là en deux en un. Là, le 1, c'est le masque en tissu. Et là, c'est comme une petite crème hydratante après à mettre. Après, j'avais eu ce masque-là, Paris Louise. Je l'ai adoré. Ce que je rachèterai, ben, je ne sais pas où on le trouve, mais j'ai bien aimé. J'ai fait ce petit galet-là. De chez Action. Est-ce que je rachèterai? Oui, je pense. Ça, c'était un paquet de gros cotons de chez Babou. Je les ai bien aimés, mais je ne rachèterai pas, sauf pour les ongles quand je fais du vernis, sinon non. Sinon, je suis passée au coton lavable et c'est deux fois plus mieux, je préfère. Ça, c'est des mouchoirs de chez Auchan. Très bien. Est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas, ou une autre marque. J'ai fini ce sérum-là que je crois que j'avais demandé à Passagère du Temps de me trouver. Je l'ai bien aimé, ce que je rachèterai, pourquoi pas. Ça, c'était dans le calendrier de Noël. C'était le shampoing. J'ai bien aimé le shampoing, par contre. Ce que je rachèterai, je pense pas. Ils le font pas en grand format, je pense, à Action. Alors, ça, je jette. Bon. J'ai fait ce petit galet là de bain rouge de chinoise. Je l'ai kiffé. Si je la revois, oui, je rachèterai. Ça, j'ai testé ces serviettes hygiéniques écologiques de chez Action. Ils sont plutôt bien. Ce que je rachèterai à l'occasion, mais je préfère les nanas quand même. Alors, j'ai fini. Un paquet de lingettes bébé, très bien, ce que je rachèterai, oui. J'avais testé ces serviettes hygiéniques Always, celle-là, c'est pas mes préférées, ce que je rachèterai, non. Un autre paquet des serviettes hygiéniques Eco de chez Action, à l'occasion. Le masque là de chez Nose, troisième, qui est encore sec. Je suis très déçue des masques en tissu de cette marque-là. Ce que je rachèterai, non. J'avais utilisé des fleurs de bain, des roses en forme de pour le bain de chez Nocibé que j'avais racheté à Mélanie Tettel. J'ai bien aimé. Ce que je rachèterai, je ne sais pas. J'ai fait ce masque-là que Passagère du Temps m'avait trouvé de la marque Neutrogena. Il était plutôt bien. Que je rachèterai, pourquoi pas. Ça, j'avais eu, je crois, dans des échantillons qu'elle m'avait offert Héloïse. C'est des lingettes démaquillantes pour les yeux de la marque Sephora. J'ai adoré. C'est, ils démaquillent super bien. Alors, j'ai fait une boule de bain moldée lit à la fraise. C'est un cœur. J'ai bien aimé. Ce que je rachèterai, pourquoi pas. Un deuxième galet comme ça de chez Action. J'ai bien aimé. Ce que je rachèterai, oui, pourquoi pas.
J'ai fait ce masque-là, je ne sais plus ce que c'est, Héloïse ou mon passagère du temps me l'avait offert. Au charbon, j'ai bien aimé ce que je rachèterai. Pourquoi pas, si je les retrouve à nos voix, il n'y a pas de souci. Ma maman a fini ses cotons bio de chez Action. Est-ce qu'elle rachètera? Je ne sais pas, parce que je lui ai donné un lot de coton lavable, donc je ne sais pas. J'ai fait ce petit masque-là à la rose que j'avais eu par Héloïse, qui m'avait donné ça. De la marque Fraîche, je l'ai adoré. Je l'avais fait après ma réaction allergique pour apaiser. J'avais la peau toute sèche là. Et donc je l'ai fait sur le visage, un peu sur le cou. Et ça, j'ai la peau qui est revenue normale. Donc c'est cool. Est-ce que je l'achèterai? Je sais pas, il faut que je voie le prix. Mais sinon, j'ai bien aimé. J'ai goûté une petite gourmandise. C'est pas bon pour les diabétiques. Hein. C'est très sucré. J'en ai mangé qu'un et vous le verrez, le deuxième paquet dans mon haut qui est en retard. Faut que je le tourne, mais je sais pas quand. C'est des pop-corn aux bonbons au caramel comme ça. C'est trop bon. On les trouve à Babou. Maintenant, c'est DM, la marque de Babou, maintenant. Et je vous les conseille. Est-ce que je rachèterai? Oui, je pense, de temps en temps. On a utilisé un bloc toilette de cette marque-là. Très bien. Est-ce qu'on rachètera? Oui. Je jette encore un rouge à lèvres. On a fini un gel antibactérien comme ceci. Je pense qu'on les trouve à Leclerc. Ils sont trop bien. Est-ce qu'on rachètera? Oui, je pense. Je jette deux rouges à lèvres encore. Et là, c'est l'après-shampoing à la base de The Petit Shop. Est-ce que je rachèterai? Oui, j'ai adoré la texture, mais... Il y a un petit défaut pour l'après-shampoing, il est tellement épais, c'est la guerre et la bannière pour le faire sortir de la petite bouteille. Faudrait qu'ils le mettent en pot. Si vous passez par ici, The Body Shop, changez le packaging, mettez-le en pot, comme un pot de masque, ça serait deux fois mieux. Alors, là, je jette encore trois rouges à lèvres. Là, c'était, je ne sais plus, cette année ou l'année dernière dans le calendrier. C'était une petite brume pour le corps. Celle-là, je l'ai bien aimée. Elle sentait un peu le coton. J'ai bien aimé. Je ne sais pas s'ils la font toujours à Action. Pourquoi pas la racheter encore sinon. Mais pas maintenant. Je jette cet échantillon-là. Il est périmé. J'ai fini ce démêlant à cheveux de la marque Swarovski. Est-ce que je rachèterai, pourquoi pas, ou une autre marque? Très bien. Alors, je sors tout ce qui me reste. Pousse-toi le chat qui passe. Voilà. Donc, j'ai fini mon dentifrice Signal, celui-ci. J'ai perdu le capuchon, j'ai mis du scotch à la place. Il était bien, ce que je rachèterais. J'ai racheté celui-là à la noix de coco à Noz, donc en marque Signal. Cette palette-là, je l'avais achetée l'année dernière à Noël. Et je ne l'ai jamais utilisée. J'étais déçue. J'en ai pas mal de palettes. J'ai voulu l'utiliser, mais l'odeur! Je voulais pas choper de réaction allergique sur mes yeux. J'ai préféré l'acheter. J'étais très déçue pour le prix, même pas de l'avoir utilisé. Au bout d'un an de l'acheter, j'étais très déçue. Donc voilà. J'ai utilisé un petit baume à lèvres ou qui pouvait faire aussi comment? Blush. Mais je l'ai plus utilisé comme gloss, on va dire. À la froide, j'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterai? Je pense pas. J'ai utilisé cet échantillon de parfum de la marque Twilight. Ou excusez-moi, c'est de Terre Messe. De Paris ou je sais pas quoi. Je l'ai bien aimé, ce que je rachèterai en format maintenant. On a fini des sacs aspirateurs et on rachète à chaque fois. Et le dernier petit truc que j'ai fini, c'était un baume à lèvres d'Yves Rocher au karité. Je l'ai bien aimé, ce que je rachèterai bien sûr. Donc, je vous ai présenté mes produits terminés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye les amis!